Shalom, shalom bien-aimé de Dieu, shalom à toi porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une joie encore de nous retrouver en ce matin, en ce nouveau matin. Un matin encore, il nous est donné l'opportunité de rendre grâce à ce grand Dieu merveilleux. Ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu rempli de miséricorde pour tout un chacun de nous. Il a plu à ce Dieu de te réveiller en ce matin, de me réveiller en ce matin, de sorte à ce que nous puissions encore unir nos âmes et nos cœurs en présence de nos anges gardiens et de tous les saints, pour lui rendre grâce, pour lui rendre toute gloire qui lui est due, pour encore le magnifier, pour le célébrer, pour lui rendre grâce. Grâce pour le don gratuit de la vie. Lui rendre grâce pour le souffle de vie qu'il renouvelle en tout un chacun de nous. Lui dire merci pour nos maisons qu'il réveille en ce matin. Lui dire merci pour nos familles, pour nos foyers et pour nos différentes activités. Mais également ce matin, il convient que nous puissions louer le paraclet de Dieu, celui qui nous a été promis. Celui qui a su épouser la bienheureuse Sainte Vierge Marie. Celui qui a véritablement été là avec les apôtres, avec nos pères de la foi. Que ce Saint-Esprit encore vienne renouveler tout dépôt en nous. Qu'il vienne renouveler les dons et susciter encore en chacune de nos âmes de nouvelles vocations pour le bien du prochain. Qu'il vienne purifier ce qui a été mis en nous. Qu'il vienne renouveler et embraser de son feu. Et c'est ce Saint-Esprit que nous voulons appeler. Voilà pourquoi de là où tu es, je t'invite tout simplement à reprendre le cantique avec moi. Oh, oh, oui, viens. De Marie, nous te prions. Par les mains de Marie, nous t'invitons à venir encore prendre le contrôle total de nos vies et de nos âmes. Que tu viennes encore orienter les désirs les plus enfouis de nos vies. Que tu viennes prendre le contrôle de nos pensées paraclées. Que tu viennes encore renouveler tout ce qui est don et dépôt qui a été mis en nous pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Que tu viennes encore renouveler, afin que nous puissions davantage être conscients et soucieux du prochain. Saint-Esprit, que tu viennes encore fortifier, parce que tu es l'allié sûr de nos vies et de nos âmes. Alors Saint-Esprit, nous te supplions ce matin et nous te prions de venir encore et faire du bien. Faire du bien à nos âmes mortelles, faire du bien dans nos pensées. Que tu viennes nous réapprendre
à élargir l'espace de nos cœurs et de nos âmes. Que tu viennes nous apprendre à élargir l'espace de nos maisons, de nos foyers et de tout ce don auquel Dieu nous appelle. Par les mains de Marie, nous te supplions. Dieu, dans cette mouvance, que tu puisses continuer à inviter le Saint-Esprit, qu'il vienne encore visiter tous les domaines et compartiments de ta vie, qu'il vienne encore te faire du bien, qu'il vienne te fortifier, qu'il vienne te relever, qu'il vienne encore te redonner de pouvoir demeurer dans la présence réelle qu'il est, au-delà du paraître et du sensationnel, que tu puisses l'épouser tel qu'il est, comme l'a fait la Sainte Vierge Marie. Voilà pourquoi nous voulons terminer ce temps de prière par un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je te souhaite de passer une agréable et sainte journée. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.